Alors on a une relation avec le groupe GB et Bernard Gatimel sur le plan de la formation des apprentis dans le bâtiment et les travaux publics et pour la formation continue des salariés du groupe GB également. C'est un groupe qui se donne les moyens de former correctement son futur personnel. À ce titre d'ailleurs, Bernard a lancé des formations de tuteurs au sein de son entreprise pour pouvoir mieux encadrer les jeunes. On peut dire que c'est une entreprise qui n'est pas discriminante. C'est-à-dire que moi, tous les jeunes qui nous ont été confiés par Bernard Gatimel pouvaient être des jeunes de Bac plus 2 ou des jeunes issus du collège en rupture de banc. Il n'a jamais fait de distinguo à ce niveau-là. Ce qui l'a toujours intéressé, c'était la motivation, l'envie des jeunes. Il y a la partie financière, mais un mécénat, c'est quelqu'un qui soutient un artiste dans sa création ou un projet, effectivement, qui lui tient à cœur. Et là, on a l'ensemble, en fait. Donc, il y a des choses qui ne sont pas palpables parce que ce n'est pas des chiffres. Et c'est beaucoup plus important, je trouve, en tout cas pour moi. Par exemple, avec Vincent, on est très, très proches depuis cette rencontre. Ensemble, on a créé plein de choses. Il est en permanence un soutien technique sur nos événements qui est même plus important qu'un financement parce qu'on en a besoin à ce moment-là. Donc, c'est là qu'est réellement le mécénat, je trouve. Chaque fois que j'ai eu besoin de lui pour aider, soutenir des projets, je savais que j'aurais une oreille attentive. Par exemple, lorsqu'on a fait ensemble, on a travaillé sur le projet du grenier de Toulouse à Tournefeuille, c'est un projet compliqué, la maison du grenier à Tournefeuille, eh bien, il a donné des conseils, il a porté des financements, il a apporté des capacités, voilà, il s'est intéressé. Voilà. Et c'est ça qui est bien chez un homme, finalement, c'est quand on est capable de dépasser son domaine d'activité, de s'élargir et finalement d'avoir une vision très générale, très positive et toujours avec un optimisme très fort, c'est-à-dire jamais battu, toujours on peut y arriver, et ça c'est très précieux. Nous sommes une compagnie qui crée des spectacles toute l'année, nous créons des spectacles toute l'année, du classique, du moderne, des comédies, des tragédies, et il a associé son entreprise, GBMP, à des spectacles, comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, comme Le portrait d'Organe Grey, comme Le fil à la pâte, et comme également l'année prochaine, une création, même pas mal, avec Muriel Darras. On a essayé de trouver aussi un troc de compétences, c'est-à-dire que le Grenier de Toulouse aussi est intervenu, par exemple, au sein même de GBMP, pour proposer une forme de coaching, de prise de parole, par exemple, parce que le mécénat, c'est pas « donnez-nous » et puis « merci, au revoir ». Il apporte son savoir, il apporte sa passion pour faire perdurer ce club. Sans lui, eh bien, je pense que Colomiers ne serait pas là. C'est pour ça que, bon, ben, nous, on a une longue route parallèle. Et voilà, et puis il y a plein de choses qui sont communes à nous deux. Et Bernard Gatimel est un ami fidèle sur qui je peux compter, et lui peut compter sur moi. Bernard aime, encore une fois, tisser du lien. D'être partenaire au Stade Toulousain n'est pas antinomique avec son titre de vice-président de l'US Colomiers. C'est également quelqu'un qui est chez nous, je le disais, sur des métiers d'organisation d'événements et également d'accompagnement sur le tournoi destination, sur lequel ils viennent depuis un moment, un peu plus son fils que lui d'ailleurs maintenant. Et tous les collaborateurs, en fait, ont accès à travers ces différents partenariats sportifs ou culturels à des places pour des matchs de rugby, de foot, de handball ou autres événements sportifs. Nous organisons aussi un arbre de Noël pour tous les enfants des salariés du groupe. À cette occasion, il y a des spectacles, des activités à destination de tous les enfants et des cadeaux de Noël pour tous les enfants. Le gigot bitume a été remis à l'ordre du jour il y a plusieurs années maintenant. On organise un repas de fin de travaux de gros œuvres auquel sont conviés tous les partenaires du chantier. L'aspect humain est primordial. On peut aider certaines personnes en difficulté passagère pour passer les caps difficiles. J'ai rencontré Bernard Gatimel récemment puisque je suis directeur de la fondation depuis un an et demi. Et donc la première rencontre s'est déroulée dans le cadre de la table ovale. Nous sommes tous les deux compagnons
Et j'ai pu présenter ce qu'était la fondation. Il a été intéressé, il m'a dit il faudra que nous nous revoyions. C'est des relations de confiance, c'est des relations amicales. Et nous avons eu une éducation commune avec monter des équipes, faire marcher des projets. Une éducation commune de l'amour que nous avons pour le ballon ovale et donc pour notre territoire. Donc ce sont des relations très très amicales.